J'ai reçu un petit colis, Passable, je sais pas si on reconnaît, Cocktail Bomb Shop. Fait que c'est en tout cas, ces temps-ci sont vraiment en feu avec les nouvelles saveurs, puis c'est un envoi PR. Fait que c'est la collection d'Halloween! Fait que c'est tellement dans le thème. Il y avait la collection Halloween, puis il y a la collection Pumpkin Spice. J'ai opté pour la collection Halloween. Puis j'ai vraiment hâte de comme tester puis essayer de faire un drink avec ça. Fait que découvrons la boîte Halloween. C'est nice, ils ont mis genre orange et noir. Fait qu'ils ont créé 6 bombes à cocktail. Fait que t'as Peach Spell. C'est un délicieux. Ça va bien avec de la vodka ou du rhum. Puis c'est ça, ça la pêche. Fait que miam. Après ça, il y a Witch Brew. Witched Brew. Excusez-moi, mon anglophone. Mon anglais n'est pas super bon. Fait que ça, c'est un mélange de mangue, fraises et orange. Puis ça va bien aussi avec de la vodka ou de la du rhum. La couleur est un petit peu étrange, mais bon, on s'entend, c'est pas super. Après ça, t'as le Spicy Elixir. Elixirita, fait que c'est un spicy margarita avec un petit kick de jalapeno, puis soit de la tequila, parce que l'autre j'ai pas ça, là, du mezcal, que ça je l'ai déjà goûté, le spicy margarita, et il y a un kick là-dedans. Après ça, on a le Twilight Potion, ouh cute, qui est limonade à la lavande, avec un petit twist mystérieux, avec du gin ou de la vodka, on aime. Après ça, tu as Spooky Sunrise, celle-là. C'est citron, pomme grenade et orange. Hmm. Bien, ça va bien avec de la avec une petite un twist on tequila sunrise. Ah, c'est une twist du drink tequila sunrise. Puis tu mets ça avec de la tequila. Puis le dernier, c'est Scary Pumpkin. Fait que c'est le classique Pumpkin Spice. Fait que soit avec du whisky ou du rhum. Fait que c'est ça. Fait que ça, c'est la nouvelle collection d'Halloween qui est vraiment cute. Pour ceux qui ne connaissent pas Cocktail Bomb Shop, c'est québécois, c'est fait ici. C'est pas des bombes de bain, mais bien des bombes à cocktail que tu mets dans 175 ml d'eau pétillante. Tu laisses t'attends 5 minutes que ça pétille, exactement comme dans ton bain, genre. Puis après 5 minutes, tu peux rajouter de l'alcool ou non. Puis, fait que t'as un mocktail ou un cocktail, un des deux. Puis, c'est ça. Puis, c'est super bon. C'est quand même. C'est pas si sucré que ça. Pas du tout. C'est juste la bombe à cocktail que tu mets. Puis, c'est ça. Le mieux, c'est vraiment d'y aller avec une sorte que tu penses aimer. Pour essayer. Tu sais, mettons comme moi, mettons Witch's Brew. Je suis pas sûre. Fait que, tu sais, c'est peut-être pas la première que je vais essayer. Tu sais, Spice Margarita, spicy, là. Fait que, genre. Je pense que je vais sûrement y aller avec. Je sais pas laquelle, encore laquelle. Fait que là, ça m'a donné le goût, tu sais, de faire justement un TikTok comme, parce que j'aime ça en parler de Cocktail Bomb Shop, je trouve ça vraiment cool. Puis vous avez vu l'autre fois, j'ai acheté des seringues. Fait que là, il faudrait que je trouve comme une qui fit avec, puis que je fasse un cocktail. Je vais essayer de faire quelque chose. Je vais essayer. Fait que c'est ça que je voulais vous montrer, le kit de Cocktail Bomb Shop. Fait qu'en tout temps, il y a un code promo pour vous dans la bio. C'est un lien affilié. Fait que moi, ça me donne un petit peu d'argent. Puis, c'est ça. Je trouve ça vraiment le fun. C'est fait au Québec. Puis, dans le fond, t'es pas obligé de. Tu sais, ça vient emballé individuellement. Fait que, tu sais, si vous voulez en acheter, puis genre vous les séparer, il y a une pellicule de plastique, là. Fait qu'il n'y a pas de trouble à ce moment-là. Il y a aussi pas. Voyons, l'humidité ne rentre pas là-dedans non plus. Ah, puis aussi, ils sont brillantes. Fait que c'est vraiment cute, genre, de vous... si jamais j'ai plein de TikTok là-dessus, j'aime bien en faire. C'est un contenu qui marche pas mal. Fait que c'était ça que je voulais vous dire. Pour souper, je fais ce que Will aime full. Fait que c'est des macaronis à la viande. Fait qu'il faut de la viande hachée, des cannes de soupe. Là, j'ai deux différentes. Ben, c'est la même chose, mais une moins de sel. Un oignon puis une échalote, c'est juste ça la recette, c'est facile. Puis tu gratines. Puis je vais préparer pour demain, sûrement un sauté ou je vais voir ce que je fais, mais je veux mariner le poulet qui est encore un peu gelé. Bon, j'espère qu'il va être gelé demain.
Puis je vais mettre la moitié de cette sauce-là, de la miel et ail. Fait qu'on va faire ça. J'ai une question super sérieuse à vous poser. L'autre fois, je me snack wheel, mon chum. Puis lui, il dit que quand tu pars le lave-vaisselle, tu dois partir l'eau chaude du robinet de l'évier à côté, genre de ton lavabo. Puis là, moi, je me suis souvenu que ma mère n'a jamais fait ça, mon beau-père non plus. Fait que là, j'étais comme, mais où t'as eu ça? Il est comment? Ma famille l'a toujours fait. Puis là, je suis comme, ok, mais tu sais, est-ce que vous tenez votre source comme d'un plombier ou quelque chose de même? Puis il est comme, mais non, c'est juste la logique. Si tu pars l'eau chaude de ton robinet, c'est souvent c'est le même tuyau qui sera à ton lave-vaisselle. Fait que l'eau chaude va arriver plus vite à ton lave-vaisselle, fait que ça va chauffer plus vite, puis ça va économiser de genre du temps, puis de l'argent, puis genre de l'électricité, genre de l'énergie. Puis j'étais comme, ok. Est-ce que vous ouvrez votre robinet de votre lavabo qui est à côté de votre lave-vaisselle quand vous partez votre lave-vaisselle en vue de peut-être économiser de l'énergie? J'aimerais ça qu'on me réponde à ma question très sérieuse. C'est un débat que j'ai avec William. Je suis comme, genre, je le fais comme une fois sur cinq, peut-être que je m'en souviens qu'il faut que je fasse ça, parce que je pars pas le lave-vaisselle si souvent que ça, vu qu'on est juste deux en appart. Puis la plupart du stock, ben, c'est à laver à la main. Je pars mon lave-vaisselle peut-être genre une fois semaine. C'est déjà beau si je le pars une fois semaine. Mais souvent, je le pars parce que il faut que je le parte parce qu'à un moment donné, les odeurs s'accumulent. Fait que, en tout cas, dites-moi ça en commentaire. Là, est-ce que vous partez l'eau chaude ou non? Ou est-ce que vous faites peut-être autre chose que je sais pas qu'il faut faire? Est-ce que vous, c'est genre l'eau froide? Est-ce que vous, c'est genre vous pré... Genre, je sais que je connais du monde qui, comme, ils font un rinse, ils font du steam. Genre, il envoie de la vapeur. Ou il y a des gens qui, comme, pré-lavent. Est-ce que, tu sais, à chaque fois, vous le pré-lavez? Tu sais, comme... Dites-moi votre fonctionnement de la vaisselle, ça m'intéresse parce que, surtout que je me pose la question à Quill. Post-souper, c'est un sauté avec des nouilles udon, des poitrines de poulet marinées sauce miel et ail. Je vais prendre la moitié de ça, de la sauce pad thai. Dans les légumes, je vais mettre ça, brocoli, piment, un petit oignon et des oignons verts, puis je vais topper avec des grains de sésame. Voici les petits. Amazon. C'est les grains de sésame, ça, les petits. Ouais. Ok. Tu m'en as de là, hein? Tu prends une marche. J'essaie de prendre un bain. En fait, je fais pas mal 5 km à chaque jour de marche. Ça fait tellement du bien, je trouve. Puis là, je suis en train de, dans mes AirPods, d'écouter le podcast entre elle et lui. Puis là, cette semaine, l'invité, c'est Karine Saint-Michel et Jay. Jordan Boulet-Vio, qui est un TikToker. Et en fait, ils sont en couple. Puis Jordan, en fait, il parlait. Puis ça m'a vraiment allumé parce que c'est tellement ça que je veux faire. Il disait que dans le fond, lui, il se qualifie comme d'un créateur de contenu, influenceur, TikToker, positif. Fait que dans le fond, lui, il veut que comme quand tu rentres sur sa page, tu sois comme entertainé, tu souris, tu ris, tu sais, comme que tu te sentes comme bien, apaisé, bien, sûrement, il y a le bien-être des autres à cœur. Puis quand tu sors, ben, tu te sors comme, t'en ressors bien. Puis il disait, la plupart des gens qui voient, c'est beaucoup des gens qui ont la vie parfaite, tout est stagé, ils font exprès d'embellir. Puis que quand tu sors de cette page-là, ben dans le fond, tu sens comme une merde. Parce que c'est genre la parfaite vie qui est comme fake. Tu dis comme, oh, moi en tant que personne, ben je peux pas faire ça. T'sais, tu te sens comme pas bien dans toi. Puis j'ai remarqué. Ben moi, en fait, je me désabonne de plus en plus de gens où je bloque les stories ou en tout cas, je fais plein d'affaires. Parce qu'il y a énormément de gens que je me sens comme ça quand j'y regarde. Puis, sincèrement, libre à chacun de faire le contenu qu'il veut. Libre à chacun de faire... Tu sais, je veux... je vais juste vous dire ce que moi, je pense, là, mais jamais je vais aller dire à cette personne-là,
oh my god, c'est vrai, t'as vraiment une fake vie. Non, je vais pas aller dire ça. Elle peut bien faire ce qu'elle veut, la personne. Vive et laissez vivre. C'est mon mot d'ordre. Mais je vous suggère tellement de vous libérer de ces comptes-là. Parce que mon Dieu, qu'il y a du monde qui. Tu sais, ça a l'air vraiment beau leur vie, ça a l'air parfait, ça a l'air si simple, il y a juste du positif. Puis, c'est ça, je trouve que c'est important de comme se libérer de ces gens-là, de les éloigner. Parce que, ben, regarde, moi, je suis pas de ce type de personne. Peut-être que toi, tu as besoin de voir ça. Mais j'aime bien mieux être comme, un peu comme Jordan dit, être abonné à lui. Ou qu'il essaye pas de faker sa vie positif, négatif. Tu sais, juste. Des fois, j'en vois des gens qui. Ils ont l'air tellement de peser sur le négatif que je suis genre, oh my god, moi, du monde de même, là. C'est comme trop. C'est comme too much, pis c'est comme trop down. Tu sais, un des deux. On dirait qu'il n'y a pas d'entre-deux. Moi, mais en même temps, c'est correct. Tu sais, je suis pas en train de dire que je suis une personne comme ça. Je vais juste vous dire que moi, c'est ce genre-là de contenu que je cherche. Puis que je vous. C'est ça que je voulais dire. Dans le fond, éloignez les gens que ça vous plaît pas. Tu sais, si toi t'aimes ça les gens parfaits, y a pas de trouble, t'as le droit. Mais si jamais ça te fait mal, éloigne-toi. Puis aussi, comme le contraire, il y a des gens qui sont tout le temps négatifs, que ça vient un peu toxique leur utilité des réseaux sociaux. Fait que genre, si toi ça te fait mal de tout le temps regarder cette personne là. Éloigne-toi, c'est vraiment si important dans la vie d'être bien. Il y a tellement de monde sur les réseaux sociaux. C'est vraiment, je suis pas en train de dire que je suis la meilleure, of course que non. Mais je veux juste comme si je peux genre aider une seule personne aujourd'hui à s'entourer de belles personnes, sans être honnête, tu sais, que ce soit dans votre vie ou dans les réseaux sociaux. Là, je mettais plus l'accent sur les réseaux sociaux parce que je suis rendue là, parce que je peux pas vous donner de conseils pour la vie, parce que moi-même, j'ai pas encore fait, j'ai pas du tout fait, en fait, le... En fait, non, c'est parce que faudrait que je fasse le ménage des gens toxiques autour de moi, mais je suis pas capable. Puis en fait, je n'accepte pas aussi mon choix. Sur ça, je peux pas vous en parler. Moi, je parlais des réseaux sociaux où que... C'est ça, j'essaye de comme... tout faire, là, les bloquer, les supprimer, me désabonner, bloquer les stories, une limite, là, t'sais, tout ce que tu veux, tu peux tout faire maintenant sur les réseaux sociaux. Fait que, suis des belles personnes que toi tu aimes, ton genre, qui te font sentir bien, puis c'est ok, t'sais, tes sentiments, tes valeurs, c'est tout ok, t'as le droit de vivre ça, t'as pas à, t'sais, mettons, toi t'es dans une passe où que t'aimes ça voir des gens d'un certain type, mais tu te sens comme mal à l'aise de ça, ben non, t'as le droit, vis ce que t'as à vivre. Puis si dans deux semaines, ben finalement tu l'aimes plus, cette personne-là, ben on la tasse, puis on en rentre d'autres. Tu sais, ces réseaux sociaux, il y a juste tellement de monde. Fait que c'était ça mon petit speech. Toutes tes émotions sont valides, tes valeurs sont valides. Tes moments de l'année sont valides. Fait que, hésite pas si jamais t'aimes cette personne-là une journée, l'autre journée tu l'aimes pas, ben tu l'enlèves, tu reviendras à un moment donné, puis c'est ça. Je pense que c'est ça mon petit speech de 6 minutes pour dire que j'ai bien aimé le podcast aussi de entre elle et lui avec Karine. C'est Michel et Jordan Boulevio. Je vous le recommande. J'aime bien ce petit podcast-là. Ben, entre elle et lui, en fait, les animateurs, c'est Anne-Marie, de Oli à Anne-Marie, puis de... J'ai juste Frank de Drippers en tête. Frank, qui est un grand créateur de contenu aussi. Slash rapper. Fait que c'était ça que j'avais à vous compter. Et si jamais vous avez des commentaires, vous aimeriez rajouter un petit point... Ben, en bas dans le commentaire, tout est toujours constructif. On va vers la nuit. Tu sais, on pointe pas du doigt personne, on reste poli. L'opinion de chaque personne est valide. Sans. Tu sais, moi, dans ma tête, ta liberté d'opinion s'arrête
à la liberté d'opinion de l'autre. Je sais pas comment dire. Comme dans le fond, il faut respecter le choix de l'autre personne. Tu as le droit de pas être d'accord, mais il faut la respecter. Puis le jugement gratuit, on laisse ça de côté. Moi, je trouve que ça sert absolument à rien. Tu as le droit d'avoir ton opinion, mais je pense que tu n'es pas obligé de... Je sais pas comment dire. Des fois, en commentaire, je reçois des commentaires, puis genre... Peut-être que la personne, je suis sûre qu'elle voulait pas faire de mal à la personne, là. Mais malheureusement, son commentaire est comme vraiment genre plein de jugements, puis je suis comme, ben voyons, tu sais. Moi, je t'ai pas jugée, fait que je sais que je me mets sur les réseaux sociaux, mais jamais j'ai demandé de me faire juger méchamment, tu sais. C'est un commentaire constructif, je vais le prendre avec plaisir. Mais si ton commentaire a comme rien à m'apporter de constructif, ben je suis comme, ben, garde-le dans ta tête, c'est gentil, mais moi, ton commentaire, je peux rien en faire. Donc, t'as le droit à ta libre opinion, à libre pensée, mais de là à le dire, ben il y a comme des petites... Faut juste faire attention, je pense, dans la vie. C'est pas pour froid, c'est pas que dans 2023, les gens se froisse vite, mais c'est un peu ça. Fait que j'ai un peu mal au bras, fait qu'on vous en parle plus tard. Jeudi, j'ai pris congé demain pour le long week-end de l'Action de grâce. Fait que là, Will est venu mettre du gaz. Ce week-end, on s'en va à Rimouski, puis on veut aller faire une grosse montagne. Ben en fait, non, ben la montagne est grosse, là. C'est la montagne du Bic, ben le parc national du Bic. Mais la randonnée qu'on veut faire, elle est considérée comme difficile, slash très difficile, slash technique. Puis on n'est vraiment pas habitué à ça, fait qu'on se lance dans le vide. Puis c'est ça. Fait que là, on a décidé d'aller s'acheter des bâtons de marche. Effet! Yeah! Fait qu'on va aller au CERN, puis ben avant ça, ben on va aller souper. Fait qu'on va aller souper à un petit restaurant. On s'est dit qu'on cherchait un rapide. Fait que quel est William qui nous... Merci! Dites-moi en commentaire votre restaurant rapide quand vous voulez comme manger, mais quick parce que vous avez des commissions ou autre chose à faire. Fait que j'aimerais savoir vos idées en commentaire. On s'est trouvé les mêmes bâtons. On est cute comme coupe. Ben moi je voulais vraiment eux parce qu'ils étaient bleus puis je les trouvais cute dans la... Puis le Will, ben il est marqué... Ben moi je pense... Tu penses que le petit bout de serpent va par en avant? Parce que toi tu veux passer ta sangle contraire au bout de cette... Tu veux la flipper de même. Non, ça fait du sens ce que tu dis. Parce que tu te rends... Non mais moi la deuxième fois je l'ai fait comme ça pour de vrai. C'est comme ça qu'il faut... Ouais, ça fait du sens. Ça fait du sens ce que tu dis. J'ai fait comme ça tantôt. Rien de moi, là. Arrête de faire! En tout cas, fait que, il était... C'est le seul... Mais en plus, c'est... Je sais pas pourquoi ils sont en rabais, là. Va savoir pourquoi, là. Mais sinon, les autres sont pas en rabais, les autres marques. Ben, la même marque, mais pas... Puis sinon, t'en as des... Qu'est-ce que je t'ai pété encore? J'ai rien pété. Ça, des pas chers, mais... Pour avoir travaillé ici, je pense que ça va être bon. Sorry pour le craving! On a pris sucre et cannelle et Nutella. Fait que... Bon appétit! On se garde ce soir. Je suis dans la planification pour Rimouski. Donc tantôt, je vais vous montrer demain, mais je vous ai montré le bâton de marche. Et on m'a aussi acheté une bouteille d'eau parce que j'ai jeté la mienne récemment. Parce que... Ben c'est pas cette marque-là, là, c'est une autre marque. C'est les bouteilles d'eau, comme qu'il est marqué genre à 9h, 10h, 11h, midi, puis comme « You go girl ». Fait que c'était une bouteille d'eau comme ça, mais ça a tout moisi dans le milieu, puis j'ai jamais été comme 100% capable de tout laver, même avec les brosses, même avec tout. Fait que j'étais juste temps de la changer, fait qu'on m'en a acheté ça. Pour la randonnée, on apporte des petits mélanges de randonneurs. Avec des petits électrolytes. Pour la randonnée, j'apporte aussi une boîte à linge qu'on va mettre les choses frais qu'on va acheter dans une épicerie. J'amène
un petit... J'ai pas trouvé, mais il y a une fourchette qui va avec ça, mais je l'ai pas trouvé. Ça, c'est une cuillère. T'as une fourchette. Fourchette. Un petit canif suisse pour n'importe quoi. Un petit ouvre-canette ou ouvre-bouteille, je sais pas pourquoi. Oui, il dit que c'est une machette. Un petit couteau que j'ai protégé et j'amène toujours un Ziploc. On amène aussi la thermacelle. J'amène mon petit sac pris sur Amazon. Puis ce que j'aime, c'est qu'il y a de l'eau dedans. Ça, c'est ma trousse que je vais mettre dans un de nos sacs. Fait qu'il y a des Ractine, des Benadryl, des petites pads comme ça, que quand tu mets de l'eau, ça devient une lingette nettoyante. Il y a des compresses de gaz, il y a du tape chirurgical, il y a du polysporin, il y a du afterbite, il y a un élastique. Ici, dans ce petit cup-là, il y a des... Ça, c'est des Advil. J'ai des ciseaux, il y a les pompes à Will, qui sont vraiment dégueulasses parce qu'ils sont dans sa boîte à lunch. J'ai des Q-tips, des cotons, des cotons démaquillants, ben pas démaquillants, mais genre des cotons. Puis j'ai des un élastique. Puis j'ai mis des, il y a des band-aid et des mouchoirs. Fait que ça c'est pour la randonnée. Après ça, ça c'est ce qui va aller dans notre. J'amène toujours trop de médicaments, mais bon, vous me connaissez rendu là. Fait qu'ici, on retrouve des Advil, du chasse-moustique, des antidouleurs parce que c'est sûr qu'on va avoir mal, du Voltaren parce que c'est sûr qu'on va avoir mal, des Tums, de la calamine si jamais Will se fait piquer, il est allergique aux moustiques, du Gaviscon, j'ai une pilule pour l'infection urinaire en backup si jamais, des hausses de compagnie à grippe parce qu'il y a de la pluie, puis on va dehors, puis j'ai des gravoles, j'ai des... soulagement de la diarrhée. Je les ai pas mal toutes. Je déteste à manquer quelque chose. J'ai d'autres sortes de gravoles qui ne croquent pas. J'ai des Antax pour les brûlures d'estomac. Fait que c'est ça. Dans ça, on retrouve tout ça. J'ai aussi planifié le manteau de pluie à Will. Ma veste, une grosse veste chaude au cas où pour les soirées. Ça, c'est elle que j'ai achetée à l'équipeur. Et mon manteau de pluie à moi aussi. Fait que moi puis Will, là, nos manteaux, c'est des Columbia achetés au sale. Fait que ça, c'est des manteaux de pluie pour la randonnée. Ici, c'est un sac que j'avais acheté, je sais pas où, je sais pas si c'était Amazon ou si c'était à pharmacie. Mais en tout cas, c'est un sac que tu peux mettre comme toutes tes grosses bouteilles. Puis si ça coule, ben ça va couler dans le sac. Fait que j'amène le Elden Shoulder, le Lafcor à Will, mon après-shampoing. Un de mes 15 shampoings que j'ai, du un savon en bord dans un petit ça. J'amène un échantillon de gelée micellaire démaquillante de La Roche-Posay que j'ai. Et deux petits échantillons de pâte à dents. Après ça, ça c'est les emballages pour mettre nos pâtes à dents. Je vais aussi... Non, ça j'ai pas besoin d'amener. Puis je vais amener nos pâtes à dents. Fait que ça c'est un autre kit de stock que j'amène. Ok, donc je prends une trousse quand même assez grande, qui est assez vieille, je vous dirais, pour mettre mon stock. Fait que demain, j'ai sorti, je vais prendre du shampoing sec pour demain matin. J'amène un chouchou et une... non, pas elle. Je vais aller chercher une autre clip à cheveux. Ok, je vais la mettre là. J'amène de l'eau micellaire en petit échantillon, mes médicaments, un petit échantillon qui reste sur un restant de... mon parfum, une pince à cils Revlon, des gouttes pour les yeux, deux cotons démaquillants réutilisables, mon lip mask de la neige, mon déodorant, mon mascara, le Voluminous comme ça, mon gel à sourcils qui est typiquement un gel à mascara et à cheveux, mon stop bouton de Oumi, ma brosse à cheveux Wet Brush, ma crème personnalisée de Oumi de soir, ma crème personnalisée de Oumi de jour et mon sérum de sur mesure de Oumi aussi. Fait que je vais tout mettre ça dans cette petite pochette-là. J'ai oublié, je vais amener de chez Sephora. C'est l'applicateur qui va avec, ben en fait que j'ai acheté de plus pour aller avec le lip mask. Puis je vais amener le Lolita 2 de Kat Von D. C'est un liquid lipstick. Puis un crayon à lèvres de chez... ça, c'est chez Mars... Maybelline!
La couleur vin nude. Fait que c'est un parfait combo. Fait que tout ça.